Bon, c'est parti pour le replay d'une partie en 4v4. Alors, je vais regarder Benjamin. If you have a problem, say help. Ça, c'est Beurre Salé qui dit ça. Ok, bon, il est en bleu et Beurre Salé à gauche et en jaune. Et Wolfass, c'est l'allié qui est à droite, il est en jaune. Il est en jaune aussi. Bon, du coup. Là, il s'avance. C'est qui ça? C'est Wolfass qui a pris le point. Donc, du coup, lui, il s'avance. Ok. Il m'a dit hier que celui qui prend cette position. Si, c'est-à-dire le point d'essence qui est à l'est et celui qui est à l'ouest, il m'a dit que c'est quasiment gagné. Celui qui arrive enfin, à la prendre et la tenir, quoi, bien sûr. La prendre, c'est facile, la tenir, c'est autre chose. Donc là, il arrive. Il est en train de faire son quartier laveur match, mais il le fait que avec un seul mec du génie, ce qui prend encore plus de temps. Donc là, voilà. Ces hommes. C'est bizarre que ces hommes ne brûlent pas. Enfin, ils brûlent très peu. Voilà, je suis à gauche et j'avance mes pions. Il prend le point d'essence qui est ici. Il envoie deux soldats du génie lorsqu'il faut dresser une bonne mitrailleuse lourde. Ok, c'est bouclé. Les fenêtres pètent. C'est moi, évidemment, je vois une Jeep. Ouais, là, je fais une connerie. Bon, du coup, lui. Ils ont pris la position. Pas mal le coup des miradors. Mais il faudrait foutre deux mitrailleuses. En fait, il faudrait foutre deux MG ici. Et là, tu fous deux MG et ça tire de partout. C'est vraiment à tester, ça. Ok, donc du coup, alors Benjamin a pris les points. Ça va, on gère ici. Il est content de lui là. Là, je commence à me faire vaguement bolosser, ils arrivent. Du coup, là, il se fait bolosser aussi. Là, c'est des MG qui vous foutent ici en fait. Là, il faudrait qu'ils dégagent chez hommes et foutent des MG quoi. Et évidemment, prendre cette position là en fait. Il devrait prendre la base qui est là, ça évite à ces hommes de faire tout le trajet. Parce que ouais, il faut prendre cette base là et mettre une MG là en fait. Et là. Tu peux tenir. Tu rajoutes un petit véhicule blindé pour être tranquille et un ou deux snipers. Du coup, oui. Là, j'ai mis une MG. Bon, là, du coup, voilà. Il arrive, il fout ses hommes. Mais là, il a toujours pas fait de base avancée, ce couillon. Ah, voilà, mais face à une. Ça, le problème, c'est que face à une mitrailleuse lourde, il faut un sniper ou un véhicule, quoi. Blindé de préférence.
C'est limite plus passionnant à analyser un let's play, enfin un replay que de faire un let's play. Enfin, c'est pas pareil. T'es moins tendu quand tu fais quand tu commentes à froid. Bon. Évidemment, lui, il a la bonne idée d'avancer ses hommes sur le A. Pas mal la grenade. Ça change rien, c'est quand même banané. Voilà, il a eu la bonne. Il fallait mettre foutu MG ici aussi. Alors là. Ah oui, j'arrive pas à vaincre ces mecs. Ils sont hyper durs à vaincre. Là, ils perdent pas de vie, c'est catastrophique quoi. Mais bouge tes hommes ici, toi, putain. Ah là, ici, il a pris la position. C'est bien ça. C'est bien, c'est parfait. Mais il a toujours pas fait de base avancée, quoi. Alors qu'il a largement les moyens de se bouger, mais il ne fait rien. Il perd vachement de temps, là. Ah oui, ces hommes sont incroyables. J'arrive pas à les crever, ils sont toujours là. Pourtant, ils sont améliorés. Enfin, ils ont commencé à être améliorés. Ah là, il doit prendre pas mal de plaisir à jouer, s'il progresse. Enfin, vu qu'il avance là. Bon là, eux, évidemment, sont faciles. Oh putain, il y a un sniper. Il recule pas ses hommes. Il avance ses hommes alors qu'il y a un sniper, mais quel taré. Eh putain, mais. Il y a un sniper, abruti, bouge tes hommes. Mais ouais, mais il voit pas ça. Il fallait une MG, un véhicule ici. Il a l'argent, les moyens de faire en plus. Mais là, il fait rien du tout, quoi. Putain. Du coup, là, oui. Putain, le mec, je sais pas ce qu'il accumule de l'essence, sûrement. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il joue comme un sagouin. Putain, le mec joue vraiment comme un sagouin. Bon. À gauche, mes hommes sont toujours là. Bon, en tout cas, ah voilà, il a enfin mis la MG ici, c'est ce qu'il fallait faire. Ah là, il a enfin, ah, c'est bien. Du coup, la position. Putain, il y a toujours cet enculé de mortier qui est là. Mais bouge quoi. Ok, bon, comment ça se passe là? Il charge avec des unités. Tire là! Ah, brûle, brûlez! Putain, non. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, ces hommes de merde? Ouais, repli, parce que là. C'est la meilleure chose à faire. Du coup, Benjamin avance. Il va prendre l'essence qu'il a. Et il joue que avec le premier depuis le départ. Forcément, le bunker est là. Ses hommes se font bananer. Et replie, là. Et replie, bordel. Ah, ça, Benji a fait un bunker ici. Ouais, c'est pas très. Ouais, si, si. Un bunker là, dans tous les cas. Ah, ici. C'est peut-être temps de construire autre chose là. Et rien n'est up, quoi, putain. Si, seulement mes points, je crois.
Est-ce que ce point-là est up? Non, même pas. Ok, bon. Là, il a perdu un temps fou parce qu'il a rien construit. Il aurait pu faire des snipers et. Il a perdu un temps fou, ça sera s'améliorer pour la prochaine fois. Il perd un temps fou parce qu'il a pas foutu de sniper, ni de grenadier, ni quoi que ce soit. Et il a même pas amélioré ses hommes. Alors c'est pour dire. Bon, Bursalis, est-ce que Bursalis bouge son cul? Bah oui, Bursalis, lui, il est déjà plus actif. Enfin, niveau construction, c'est un vrai portugais. Du coup, oui, bon, ils se font. Ouais. Ah ouais, dégage. Du coup, ouais, ils ont pris la droite. Comme il dit, quand tu prends la droite, là, c'est pour ce qui est là, c'est quasiment plié. Les mecs sont au repos, comme putain. Bon, oui. C'est le soldat Benji. Alors oui, vraiment de ce côté. Putain, il a rien fait! Il y a un sniper ici, d'accord. Oh, du coup, ils ont pris à droite. Le point n'est même pas up. Putain, mais. Ah si, là il up quand même. Là, il pourrait déjà avoir deux blindés faciles, il a rien quoi. Le temps qu'on perd, ça aurait déjà été bouclé, ils auraient déjà pu les pulvériser là. Allez, reculez, reculez. Ouais. Reculez, c'est ça, t'as raison, recule. Reculez, ouais, c'est ça. Je le dis tout le temps. J'ai pas vu ce que j'ai dit avant, c'est pas grave. La partie doit durer moins d'une heure, je pense. Ok, bon là, ils sont bananés, ils replient. Ouais, ils sont bananés. C'est les hommes du beurre qui. qui avancent. Ils sont bloqués. Bon, ceux-là, ils sont bananés, il faut qu'ils replient. Alors, quand t'as Benji, il est là. Il aurait largement eu le temps de foutre la gomme, mais non, il accumule quoi. S'il voulait, là, il a envoyé deux chars, c'était quasiment plié. Hein. Aucun point n'est up, enfin si ça. Ça up. Les nazis, je trouve que c'est ceux qui ont la plus grosse force de frappe. Ah putain, là oui, là oui.
Là, c'est un passage précis parce que regardez, je vais me prendre pas mal de bombes. Tac, 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 toute sa, toutes ces bombes gluantes sur mon char. Et boum, boum, boum. Et là, je dois reculer, hein. Ah, faut replier, on n'a pas le choix. Du coup, là, il se passe quoi? Là, on a Wolfass qui lui s'amuse face à un obusier. C'est très malin. Il va même le péter. En beurre salé, c'est comment au niveau construction, lui? Et à mon avis, ils sont au max, niveau 4, je pense que c'est au max. Bon. Donc là, le point d'essence ouest n'est pas pris, que l'est, et l'est est bloqué. En bref. L'instant, c'est pas gagné. C'est loin d'être gagné. On a à peu près la moitié de la map chacun. Lui, il est tout seul, forcément, mais face à. Le fou quoi, mais qu'est-ce qu'il fait? Il se fout dans un trou quoi. Et voilà, quel gâchis. Bon, ouais, il se banane, ça. Et voilà, il se banane complet. Quant à Benjamin, quant à Benji, il a toujours fait que. Oh. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, ça y est, il améliore enfin ses troupes. Il améliore enfin ses troupes. Bon, enfin, il améliore. Il passe à la phase d'attaque. Il peut-être dire qu'il va passer à l'attaque. Ceux-là, là, ils clament quoi? Putain, ils pourraient aider, non? Par le côté, là, ils arrivent là. Allez, mais putain! Ceux-là, ils prennent rien, là. De toute façon, il recule. Donc l'idée en fait c'est de foutre une MG ici dès le départ. Une MG là, une MG ici, du génie avec un lance-flamme pour brûler tous les mauvais herbes qui dépassent. Bon, du coup, là. Ah oui, il s'amuse à faire des bunkers dans ma base, quoi, le mec. Bon, mais pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Hein. Là, j'avance un peu. C'est bloqué, c'est parfait. Ah, ça y est, enfin il construit. Il devait foutre deux soldats du génie, ça va plus vite, mais il doit pas le savoir. Caserne avancée, le mec, quoi. Ça y est, à 18 minutes 50, il bouge son cul, quoi. L'essentiel c'est de gagner. À la guerre, l'essentiel c'est de gagner. Bon, alors là, Wolfa arrive vers leur base. Enfin, il avance, quoi. Là, il replie ses joueurs parce qu'il se fait bananer. Il les a pilonnés, mais bon, c'est ça qui gêne depuis tout à l'heure, en fait. Bon, là.
Il y a un sniper ici en haut, quoi. C'est bon, il se casse. Ça veut dire qu'il va peut-être pilonner. Ok, donc là, ils attaquent ici, ils ont pilonné. Avec l'obusier, sûrement. Ouais, ils prennent cher, là. Là, qu'est-ce qu'il nous fait? Ouais. Quant à moi, je pète cette merde parce que ça nous emmerde depuis tout à l'heure. Et j'envoie du génie pour passer. Alors on a... Oula, à droite, il y a du monde. Ils attaquent. Il n'y a rien pour défendre, strictement que d'elle, quoi. Ils vont prendre le point, quoi. Putain. Mais bouge ton véhicule de merde. Là, ils prennent le point, là, donc va falloir rusher, hein. Ouais, va falloir rusher. Ouais, là, je m'occupe de ça. Ce qui est bien, c'est que les lance-roquettes, c'est bien uniquement sur les véhicules. Quand on les y... Oh putain, enculé, bouge tes hommes. Ouais, bouge les hommes, t'as bien fait. Le problème, c'est que les hommes, ils se dépassent pas très... Oh la vache! Regarde, moi, là, ils sont bananés complets! Il se fait exploser le cul. Il a plus rien, il a quasiment plus rien comme unité. Ah ouais, ici. Ah oui, donc là je crois que j'ai pilonné. Avec ça, dans pas longtemps. Là ils prennent le point d'essence à droite. Ouais, j'ai pilonné. Y'a que ça qu'a fait. Comme vous allez le voir. Je pilonne. Alors, on va voir ce que ça tombe. À côté, putain. Ça va, il se remplit, ces connards. J'ai pris le point, c'est up, c'est déjà ça. Ils construisent. Ah non, ils reprennent le point. Putain, mais les enfoirés! Là, je fais pas gaffe, je ne fais pas gaffe et. Et recule, 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 recule. C'est ça, allez avancer, avancer. Bon, alors à droite c'est pris, là, il se passe quoi? Il a fait une tranchée, quoi, génial. Mais pourquoi pas? Le blé point beurre, ouais. C'est là qu'il se réveille, c'est. Forcément, c'est quand il a plus d'effectifs qu'il en a le plus besoin.
Là, je suis en manque d'effectifs, il y avait toute la partie pour en faire. Pour faire des hommes. En fait, pour gagner dans le jeu, faites hyper rapide. En gros, c'est celui qui a l'armée la plus lourde qui gagne. Hein. Oula, il a géré là. Et boum! C'est vrai que ouais, les points de grenadier sont bons aussi. Ouais, Olfa s'y gère. Mais allez, mais bouge tes hommes quoi. Dors à trois chars quand même. Ok. À droite, ils ont repris le point d'essence, putain mais. Ouais, son Panzer serait banané, il n'a pas fait de base avancée, rien. Oh, je te jure. Leur installer un tigre, tiens. Il y a ce connard qui pilonne depuis tout à l'heure, d'accord. Cet enfoiré qui pilonne là. Cet enfoiré. Il n'y a aucun effectif, tu m'étonnes, le mec. Il dépense son truc, il a rien. Il aurait pu en faire dès le départ, mais bon, c'est pas grave. Là, ils ont perdu le point d'essence, quoi. Quelle calamité. Tiens, lui, là. Il est en train d'attaquer là. Il attaque, il avance. Ça c'est Wolfa, c'est peu de leur base avec deux chars, hein, pas besoin de plus. Voilà, il a pété. Il gère bien, là, mais je sais pas ce qui s'est passé après parce que. Il pourrait même envoyer une petite armée ici. Ce serait bon quoi. Allez, bouge ton char là! Bouge tes chars, putain! D'accord. Ah putain, il a rien vu quoi, l'amateur. L'amateur, le mec. Bon, quant à moi, j'ai pris la position. Là, ouais, là, c'est là à droite, ils sont bananés complets, quoi. Bon, il a déjà bousillé un mec, Wolfas, celui qui était ici. Mais ça me. Ouais, je devrais pas faire du surplace avec les chars. Faut mieux avancer, 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 parce que si tu fais du surplace, à chaque fois, ils pilonnent. Donc, l'idée, c'est d'avancer et de détruire, bah, et de dégager et tous les mauvaises herbes, quoi. Bon. Là, on a Benji qui ne fait rien du tout. On a Beurre en plein milieu qui répare son char.
Là, je me fais banane les hommes, quoi, je vois rien. J'ignore qui c'est qui a pilonné, par contre, là. Ok, bon. Ah oui, là, je pilonne, là. Tu sais, les types se planquent dans les montagnes comme des Afghans, quoi. C'est une MG ici. Allez, fin de la première partie.